Salut à tous, c'est Mr. Freeze. Et on se retrouve pour la suite de Zelda The Minish Cap dans la forteresse du vent. Non, ce qui est bien, c'est qu'on a le truc pour casser les. L'attaque brise rock. Bon là pareil hein, que les autres, je vais le faire un peu au pifomètre. Bon. Les énigmes sont pas très compliquées si je me rappelle bien. Par contre, il est assez grand. Alors, eux, pour pas se faire défoncer, vous mettez attendre qu'ils sautent pour les taper. Ça va faire super gaffe à eux. Pour ça, faut toujours taper, hein, si vous voyez du. On peut aller tout au bon angle. Si. Ah yes. Voilà, parfait. Ah, il a fait me bouffer. Pareil, le boomerang encore très utile là. Je pense pas que je sois allé au bon endroit parce que. Parce que là. Y'a rien quoi. Ah ouais, d'accord. Attends, ça va être chiant. Il me semble qu'il faut un espace comme ça. Ouais, voilà. Oula. Merde, monsieur. J'ai trompé de touche. Ouais, pourquoi ça marche pas? Je sais pas pourquoi ça tirait pas, j'ai appuyé sur A, mais. Ok. Boussole, parfait. On va jeter un coup d'œil à la carte un peu. Bon, il y a que 3 étages, ça n'a pas l'air immense. On va voir ce que ça donne. On va prendre ça juste pour le plaisir. Hein. Ah, c'est vrai qu'on peut le maintenir appuyé et attendre en fait. Du coup, ça va. Ça, je me rappelais pas. On pouvait laisser l'arc tendu. Alors, pas mal d'énigmes dans le jeu avec le pouvoir de se multiplier comme ça.
Il ramène des boss comme ça sera assez chiant. On va descendre à la chercher, hein, je pense. Ouais. Allons-y. Genre, il a besoin de nous le dire, on a déjà une scène. On voit le truc et tout. Alors, est-ce qu'on est au tout début? Ouais, ça c'est là d'où on vient, ok. Donc gauche, on a fait. On va aller au milieu maintenant. Ok, donc ça on peut pas encore le faire. On va revenir après du coup. Non pas à ce point-là. Voilà, je fais tout le contraire de ce que j'ai dit. Ok. Ils mentaient pas hein, quand ils ont dit qu'il y avait des pièges tout le temps. Ah, est-ce que ce serait la carte ça? C'est la carte. Je pense qu'en fait fallait pas venir là d'abord. Parce que ça paraît clair que fallait aller à droite. Parce que là, le milieu, il y a deux portes. Donc je pense que les deux clés se trouvent à droite et à gauche. Ah, mais il y a deux trucs à droite, ok. On va faire celle-là. On va faire en main niche. Ok. Tac. Ah, apparemment, il y a un autre coffre. Ok. Pour le coffre. Allez là. Putain, c'est encore un coffre qu'on peut pas atteindre. On peut peut-être bien aller du coup, au milieu, je sais pas. On va essayer comme ça. Puis, si on trouve pas en retournant en arrière, hein. Là, faut se dédoubler. Alors vraiment des. Ouais, mais comment je fais pour aller en mini? C'est ça le problème. Faudrait que je rentre là-dedans, mais ouais, bon. On va essayer comme ça déjà. Merde, c'est trop loin. Mais comment je fais? Est-ce qu'il y a un truc là-dedans? Ah ouais. Du coup... Je pense qu'il faut prendre la distance maximum comme ça. Ok. Je vois le truc. Donc on va aller à gauche. Je pense qu'il faut pas tomber maintenant. Faut déjà activer ce truc là. Ensuite, rentrer là. On va le tuer, je pense que la manette va faire tomber une clé en bas. Faut surtout pas tomber maintenant, ce sera vraiment con. C'est un peu galéré. Voilà. Donc du coup, il n'y aura plus rien à faire ici. Ah, quoique. Quoique.
un truc à faire là du coup. Quart de cœur. Ah bah. On a bien fait de vérifier. Alors, il me semble qu'il n'y en a qu'un dans Zonjon. Ouais, on peut pas sortir par là. Oh l'enflure. Apparemment non. Mais attends, je suis obligé. Comment je remonte? Quoi? Je peux pas aller en bas. Si, on remonte forcément par là. C'est bizarre là. J'ai mal essayé. Forcément pousser un truc là. C'est quoi ce délire? C'est obligé que ce soit ça. Quoi? Mais... Et attends, comment je fais? C'est un truc complètement con. Attends. Là, je peux ni monter ni aller en bas. Ouais, d'accord. Là, je suis bloqué. Je peux pas monter là. Je peux rien faire là. Ni là. Je peux aller qu'à droite. Attends. Peut-être que là, on peut monter. Non. Je peux pas traverser là. What the fuck? Attends. Là, je vais te faire comme ça. Et là je peux pas pousser. Mais c'est quoi ce délire? Faire avec les bottes ou quoi? Je suis bloqué. Sérieux. Je sais pas comment faire autrement. De toute façon, on devait retourner à l'entrée, donc c'est pas. Espérons qu'il y a toujours la clé. Hein. Ok. Ah mais j'ai vraiment l'impression qu'on pouvait pas faire autrement quoi. Mais c'est vraiment bizarre. Pour moi... Ouais, pour moi c'est pas possible. Bon. Bref, du coup, ça servait à rien d'aller là. Donc maintenant on va au milieu. Maintenant qu'on a les deux clés. Quoi y'a un... Pas doué, hein. Ok, ah, attendez. Okay. Je pensais qu'il y avait des cœurs, mais non. On va commencer par la gauche. Peut-être dû commencer par la droite en fait. Ouais, je commence par la droite. Ouais, non, allez, gauche. Ok. Comment est-ce que pas de manquer de flèches ici? Ça sent le, la salle de mini-boss, ça? Ouais, j'en étais sûr. Oh l'enflure, il fait mal en plus.
pas très dur. Hein. Le donjon a pas l'air trop compliqué à comprendre. Parce qu'on retourne pas 15 fois aux mêmes endroits avec des différentes portes à débloquer. En plein, on sait qu'on ira que au milieu, quoi. Yes. Voilà, on a la griffe de taupe. Donc l'objet du donjon. Je sais pas si on peut trouver autre chose. Je crois pas qu'on puisse trouver des trucs dans les murs comme ça. Bref. Du coup on a l'objet du donjon, on va pouvoir retourner à certains endroits où on était allé. Ah super, en plus il y a une sortie. Bref, ouais. Fallait bien aller à droite en premier du coup, à gauche en premier pardon. Ah, ça, ça sent le truc à la botte de Pégase. Lol. C'est parce que normalement on pouvait y aller en courant je pense. Du coup, les mains faut faire gaffe. Ouais, mais pourquoi faire? On est déjà au max de rubis. A savoir que la dernière bourse, elle se trouve dans le lac Ilia, là où je suis pas allé tout à l'heure, enfin avant le donjon, avant les marais en fait. Mais j'aurais pu y aller avant. Je sais pas pourquoi j'y vais en petit d'abord, mais on va essayer. Ouais. Fallait pas y aller en petit en fait. Non, 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 pas du tout. Fallait y aller en normal. Je sais pas pourquoi il y a un truc de mini-niche là. Ça sert à rien. Enfin, s'ils l'ont mis, ça sert à quelque chose, mais je vois pas que c'est ça. Donc. On a énigme à la con, hein, vous avez compris le délire. Voilà, un enfant de 8 ans aura compris, hop. Alors par contre... Ah oui, ceux-là on peut les déplacer comme ça, ok. Attends, quoi? Du coup, vu qu'on peut pas se déplacer comme ça... Je pense qu'il faut plutôt les mettre d'un côté, comme ça, ouais, verticalement. Ah non, merde. Ouais, non, non plus. Plutôt comme ça. Ah, et là on peut y aller en mini-niche. On va y aller en mini-niche.
Je peux pas aller dans les trous. Ah non. Je pense pas que c'était le truc qu'il fallait faire, mais ça marche. Oula. Là, ça va être boomerang et griffe. On va creuser, on sait jamais s'il y a des trucs là. Je trouve c'est sympa le truc de creuser. Alors, est-ce qu'on descend ou pas? Là, ça redescend là, donc faut descendre. Je pense que les mains, elles peuvent pas nous choper en petit. Faire comme ça, hein. Ce sera moins risqué. C'est juste pour le tuer par plaisir. Faut sauter à gauche ou à droite? Faut juste sauter? Fail. C'était à droite. Ah bah c'est la clé du boss déjà. Ah bah comme quoi c'était assez rapide. Ça va, le donjon est pas excessivement long hein. C'est pas comme dans, je sais pas moi, A Link to the Past par exemple, il y a des donjons beaucoup plus longs que ça. Hein. Bon c'est pas le dernier là mais... Ok, donc ça c'est fait, qu'est-ce qu'il nous reste? Parce que je pense que j'ai des coffres pas encore récupérés. Un coffre. Et en plus c'est au tout début. Bah écoutez, ça va pas être compliqué du coup. Comment on peut faire pour sortir d'ici facilement? Ah bah, tiens la main, chope-moi. Merci. C'est ce que je voulais. Hein? Ah ok. Donc tout à gauche. Alors tout ça c'est complètement optionnel hein. Attends mais je l'avais pas vu lui. Ah ouais d'accord. C'est même pas indiqué sur la carte, normal. Ok, est-ce que j'ai loupé d'autres trucs? Je crois ouais. Ouais. Putain. J'aurais dû aller chercher la grande bourse. Parce que... J'ai vraiment l'air con là maintenant. Du coup, bah c'est bon, plus qu'à aller au boss. Mais faut y aller comment? On ne rappelle même plus où il est. Ah, c'est pas par là. Hein. Le boss. Bah par le milieu. Ça nous emmène où? On est loin du boss là. Je sais pas où il est le boss en fait.
pouvoir monter ça. Ah bah c'est là. Ah merde, mais y'en a encore un coffre qu'on a pas. C'est quoi cette boussole de merde là? Sans déconner. T'en as une boussole mais elle indique pas les positions des coffres. Je suis bien récupéré la boussole, je suis pas fou. Ouais ouais. Ok. On rend de la merde, non? Sans tous les coffres là, c'est soit de l'argent, soit des fragments du bonheur, soit des coquillages. Pas des trucs indispensables. Bon bah voilà, on peut déjà aller au boss. Bah du coup on va quand même récupérer les trucs avant. Alors attendez. C'est à droite. Ok. À gauche y'a rien, c'est bon, j'ai tout pris. On dirait qu'à gauche j'ai tout pris. Donc à droite. Pourquoi je suis revenu là moi? Attends, pour y aller faut faire comment du coup? Je suis pauvre. Non mais c'est tout à droite. Faut faire ça. Non mais... What? Ah oui, d'accord. Ça se donne orientation. Je vais récupérer tous les coffres parce que j'aime pas le fait de pas faire 100% le truc. C'est par là. Voilà, donc pareil, hein, c'est pas la route, optimale à mon avis. Mais c'est pas grave. Puis bon, ça nous servira les fragments. Voilà, et pareil pour là. Vas-y, explique-moi, je m'en fous. C'est bon, on peut aller au boss. Boomerang. Donc le boss c'est un peu plus compliqué là cette fois. J'ai assez de... Ouais je pense que j'ai assez de tout. Hein. Voilà. J'ai une fée, ouais. Ça devrait aller. Allez c'est parti. Alors il ne faudra pas utiliser la griffe de taupe, enfin pas au début en tout cas. Alors si vous avez fait le Zelda qui est sur GameCube, c'est exactement la même chose en fait. Il fait assez mal hein, par contre. Transformant en miniche. Bon, c'est un peu le même, mais il a la même gueule. Voilà, il faut après qu'on tape ça, juste. Et là, ça nous ramène là, au début du donjon. Non, je déconne. Voilà, faire super gaffe. On est en miniche. Voilà, je vais essayer un truc. Ah non, ça met le jeu en pause. Je pensais que j'allais pouvoir m'en sortir avec ça. Non, ça se fait très mal. Faut jamais se faire choper. Alors, les vainqueurs d'un coup. Ah merde, saloperie. Putain, mais je suis une merde.
Il est pas si dur, mais... Oh le con. Je mets trop de temps. Alors cette fois, je vais creuser avec les griffes. Pour trouver le bon et faire la même chose après. Bon voilà, vous avez compris le principe. Putain, je veux des cœurs là. Ah! Bande pute. Putain, il fait mal hein. Voilà, bon là, une chance sur 3 encore une fois. Pas de chance. Voilà. Et Link mourra dans le boss. Voilà, donc du coup, bah, un boss compliqué quand on n'a pas compris. Mais ça va, ça passe. Il y a quand même des attaques assez difficiles à éviter. Voilà, et là l'objet le plus utile du jeu. Ocarina du vent, référence à Ocarina of Time bien sûr. Il y a beaucoup d'Ocarina dans les Zelda, ils aiment bien ça apparemment. Vous allez voir, l'Ocarina du vent c'est complètement pété comme truc. Voilà. Et on peut aller sur tous les symboles qu'on a déjà découverts. C'est pour ça qu'il fallait absolument les découvrir d'avance, le truc. Voilà, tout simplement. Quand il nous prend pour un con. Alors bon, bah c'est bon. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. J'essaie d'abréger parce qu'elle est un peu longue. Et puis, bah je sais pas encore ce qu'on va faire. Si on va continuer l'aventure ou si on va essayer de découvrir un peu des secrets. Je pense à un mélange des deux peut-être. Enfin, en tout cas, vous verrez ça à la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut et bon vent.